man's a hero, and when I am fighting, I go bam and off. I cover bolt, so wham and flam and zonk and zonk, and also shabba, pow, bloop, whee. Come with me, let's get together in my comic strip. Let's talk in bubbles, let's go bam and forget your troubles and go shabba. Ça s'est bien passé, ce petit live. C'est sympa, le son était pas ouf, c'est alors que je connais sur boîte de nuit, mais c'est toujours sympa. Bon, comment ça va? Combien? Top, c'était top, bien sûr. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est toi qui connais, c'est ça, Alexandre? Ouais, c'est en fait, c'est le nouveau bar d'un pote, ouais, bar boîte de nuit, il s'appelle le Castor Club, et il vient d'ouvrir il y a une semaine. D'accord. C'est un lieu où je vais passer beaucoup de temps, Paul. Bon, alors est-ce qu'on peut me raconter Think Tank? Comment c'est né tout ça? Bah, on a toujours fait... On a toujours joué de la musique ensemble et ouais. Au bout d'un moment on s'est dit que ça pouvait peut-être sortir de la maison. Oui. Et on l'a envoyé à Nelly Hooper, à d'autres gens qui a beaucoup aimé, qui a produit Massive Attack et Björk et tout, et qui a décidé de faire un album ensemble, on a été contents. Bon, là qui fait quoi dans le groupe? Qui écrit, qui compose? Alors, j'écris la musique et elle écrit les paroles. D'accord. Bon. Auteur, compositeur. À nous deux, on forme un auteur, compositeur. C'est ça. Et là, le fait de faire ça, ça aide ou ça complique? Non, ça aide. Bah, on s'entend très bien, on s'est jamais trop engueulé. Ouais. Et puis on parle un peu la même langue, on a des expériences similaires. Ouais, surtout, ouais, c'est ça, on a une espèce de langage secret. Le langage secret. Non, mais on s'entend bien quoi, non? Voilà, non, en fait. On s'entend bien, on voit. Hein. Merde, vas-y, dis-le qu'on s'entend bien. Et c'est quoi les influences? Zombies, Pixies. C'est très Pixies, oui, quand même. Ouais. Pas mal les Pixies, beaucoup le rock des années 90 et la pop 60. Et j'aime bien les chansons de 2 minutes 30. Mais c'est très britannique, plus qu'américain. Ouais, non plus, c'est vrai qu'on écoute surtout des groupes anglais. Et là, pourquoi d'ailleurs justement écrire en anglais plutôt qu'en français? Parce que c'est plus naturel. Bah, en fait, les trois quarts de la musique que j'écoute en anglais et finalement, c'est à la fois c'est plus naturel. Mais on a et des chansons en français, mais elles ont tendance à être plus romantiques et plus douces. Et comme c'est un album assez pop, on a voulu garder le tempo. Et en plus, quand on essaie de traduire les chansons qu'on a en français, c'était hyper ringard. Oui, c'est ça. Et l'anglais, c'est désinhibant en plus, comme c'est pas notre langue maternelle, on rentre dans un rôle plus facilement. Bon, donc la vie va très bien. Et toi, ça va? Ça va pas mal, oui, ça va. Alors, tu sais qui m'a parlé de toi il y a pas longtemps? C'était l'été dernier. Oula. J'étais dans un restaurant à Los Angeles avec quelqu'un qui s'appelle Roxane Mesquida. Oh, j'adore Roxane. Et vous avez tourné ensemble? Oui, on vient de faire un film de vampire. C'est ça? Et toi, tu joues la gentille et la méchante, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Non, pas trop. Si, c'est un peu vrai. Elle joue souvent les méchantes, on va dire. Ouais, alors qu'elle n'est pas du tout méchante dans la vie. Oui. Bon, et alors que toi, t'es méchante dans la vraie vie. Non, voilà, c'est ça. C'est ça. C'était surprenant un peu. Elle m'a dit des choses très gentilles sur toi. Ouais, on est un peu devenues sœurs après ce tournage aussi, on s'aime beaucoup. Bon, elle m'a dit moins de choses gentilles sur l'acteur principal.
t'es vraiment un gros salaud. Je dirais pas, je dirais pas. De toute façon, il parle pas français. Non, il saura pas. Donc, alors ta sœur joue les vampires, alors toi, t'as une espèce de tête d'ange. Mais est-ce qu'il faut te donner le bon Dieu sans confession ou pas, Alexandre? Non, je crois pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que t'en ferais si on te le donnait, le bon Dieu sans confession? Le bon Dieu sans confession, je sais pas, j'ai. Ça finirait mal, cette affaire. Ça finirait probablement très mal. You were a child.